Bienvenue à toutes et à tous dans le studio 3S sportif, social et solidaire pour la 30e séance de sport solidaire en confinement. Je vous souhaite la bienvenue, welcome to everybody from every countries. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, certaines personnes étrangères nous suivent sur nos séances. Merci beaucoup Stéphanie pour cette super séance de yoga. En ce qui me concerne, je suis de retour suite à une élongation réalisée, ne vous moquez pas de moi, sur du ping-pong incroyable après avoir écumé tous les circuits de Formule 1 et de MotoGP avec de nombreuses chutes. En ce qui me concerne, je me blesse au tennis de table la semaine dernière. Je suis de retour, j'espère que tout va bien se passer et au pire, notre régisseur me remplacera s'il y a un petit souci. Voilà, nous allons travailler dans la continuité de la séance de la semaine dernière. Avec ici le décompte pour le circuit. Et puis nous allons démarrer sur un petit déverrouillage, comme d'habitude, sur une partie stretching qui est rapide. Voilà, je vous laisse vous mettre en place. Et on démarre dans 30 secondes. Alors nous allons reprendre notre petit protocole de stretching avec un genou au sol. Je vous rappelle que dans nos séances, nous n'avons besoin d'aucun matériel, sinon une serviette ou deux serviettes éventuellement pour poser les genoux ou pour un peu plus de confort. Voilà, on démarre en fente avant comme d'habitude. Ici, je vais mettre un petit timer pour être plus précis dans le temps d'étirement, de déverrouillage surtout. Et puis à la fin, évidemment, on fera du vrai étirement. Un petit peu plus prolongé. Insistez bien sur la respiration, ventilez au maximum. Inspirez, soufflez en descendant vers l'avant. Avec toujours pareil, une rétroversion du bassin. On évite les cambrures exagérées, en particulier pour les dames. Et on avance tout doucement vers l'avant. Voilà, on va se mettre légèrement sur le côté ici. Toujours en déverrouillage du haut du corps. Tout en ayant un petit étirement ici au niveau de la cuisse, qui est très intéressant. On expire à nouveau, on redescend à nouveau, on reste un petit peu mobile dans cette posture. On n'est pas complètement figé. On peut revenir dans l'axe et repartir à nouveau sur le côté, avec la main opposée. Et on expire et on souffle maintenant en allant sur le côté avec la jambe tendue. Je vous rappelle que le bassin est entre les deux genoux, ici. Et puis la pointe des pieds est légèrement relevée. On prend appui au sol, on essaie de se mobiliser un petit peu. On pousse légèrement vers l'arrière pour gagner du terrain. Je vous rappelle que c'est uniquement du déverrouillage, donc on prend une posture tranquillement et correctement surtout. Voilà, on va se mettre ensuite à genoux ici, où on va étirer les bras vers le haut. Voilà, on pousse le bassin en avant et ensuite on va venir avec les doigts vers les genoux pour étirer légèrement les avant-bras. Voilà, déverrouiller les gaines des tendons fléchisseurs du doigt. On révise toujours un petit peu l'anatomie. On fait le gorille dans cette position. Voilà, maintenant bras 45 degrés et on se positionne en stretching épaules. On expire bien, on souffle bien, descend doucement sans aller au maximum. C'est uniquement le poids du corps qui pousse vers le bas, juste avec l'attraction du poids du corps. Pensez de temps en temps à inspirer. Et à souffler à nouveau pour redescendre un petit peu plus. On change de main ici, 45 degrés, la main à l'opposé. Et on regarde ici à l'opposé. On inspire, on souffle. Et on descend encore un petit peu plus. Voilà, on se redresse, on va mettre la jambe ici sur le côté. Toujours avec le bassin au milieu des deux genoux. La jambe tendue.
Et là, on s'assoit légèrement vers l'arrière, confortablement. Vous voyez qu'on arrive à faire un grand écart sans vraiment le faire complètement, mais ça permet de, toujours pareil, d'étirer, de se concentrer sur une jambe et puis la position du bassin. Toujours grosse inspiration, on souffle et ensuite on revient ici vers l'avant, en fente dans l'axe, et on va venir ensuite déverrouiller ici sur le côté. Inspiration, on souffle et on relâche à nouveau pour gagner un petit peu de terrain et déverrouiller à nouveau. Après, on passera jambes tendues sur l'avant, à gauche et puis ensuite à droite. Voilà, jambes tendues à gauche, ici. Toujours pour déverrouiller l'arrière, la partie postérieure de la jambe, l'arrière de la jambe, qui est toujours très raide, notamment le matin, même si on est midi. On n'a pas forcément fait de l'activité physique ce matin. Donc il faut déverrouiller tout ça, à gauche et à droite. Et on change cette fois-ci de jambe, on passe de l'autre côté. Et ça sera le dernier exercice de déverrouillage après. On fera une partie debout. Last exercise of stretching and then we do the dynamic exercises and circuit after dynamic exercises. Désolé pour mon anglais pourri. Ok, on se relâche. Allez, on se met debout. On va commencer à mobiliser le corps progressivement sur des exercices qu'on va faire après sur le circuit toujours. Alors mobilité, on va commencer à se déplacer ici latéralement tranquillement, voilà, ici, et la petite descente sur le côté. 2 3 4 5 pas chassé, demi squat. 6 7 8 9 et 10. Ok, on va maintenant balancer la jambe sur le côté, à l'avant, tout en gardant l'équilibre. Ici, vous voyez, on garde l'équilibre, on balance la jambe sur le côté. Pas chassé, équilibre. On repose l'appui sur le côté, équilibre, pas chassé. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change, on reste sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va repartir avec les bras ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Maintenant, on va faire une fente avant ici avec les bras en haut pour bien chauffer les épaules, les fixateurs des épaules sans monter les épaules, épaules basses, les bras horizontaux et on revient toujours sur la même jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça chauffe, 8, 9 et 10, on change de jambe, on relâche un petit peu les épaules, on met les mains dans le dos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on va faire un petit travail de coordination sur le côté, toujours sur le travail de pas chasser, de proprioception, d'équilibre. Tout ça, ça vous permet d'être plus à l'aise avec votre corps, d'avoir un peu plus d'aisance sur l'équilibre, et puis aussi avoir un peu plus de confiance sur votre mobilité. Donc on va venir toujours sur le pas chassé, comme ça on va commencer. Allez-y, droite, gauche, et maintenant on va faire un petit demi-cercle, ici sur le côté. 1, 2, 3... 4, toujours avec le talon bien cherché, on fait un petit arc de cercle, on vient poser le pied à nouveau,
On ramène la deuxième jambe ici. On fait le petit art de cercle et on vient à nouveau poser la jambe. Là. Donc tout ce mouvement part du bassin. Ce n'est pas la jambe qui démarre, c'est le bassin qui vient engager ici ce mouvement. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On augmente bien l'amplitude. On fait un cercle, on ne fait pas un aller-retour avec la jambe. 8, 9 et 10. Ok, maintenant on va se mettre dans l'axe ici. Rappelez-vous le travail de coordination haut et bas elliptique, exercice d'elliptique ici, avec jambe tendue, avec le bras du côté de la même jambe qui est à l'opposé, c'est-à-dire en arrière quand la jambe est en avant, et inversement de l'autre côté. Ça donne ça, là, là, là. Allez-y, c'est à vous. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe évidemment, on est un peu moins coordonné peut-être de notre côté opposé. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je touche même le vélo derrière, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau, maintenant on va faire la même chose, mais de façon sautée. Donc à chaque fois, c'est la jambe qui va donner le rythme du petit saut, avant et arrière. Donc ça va donner ceci, ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que je reprends appui à chaque fois, et j'enclenche la jambe en arrière, et j'amène les bras en avant. Là, là. Je monte, petit saut avant, là, et petit saut arrière ici. Donc ça donne une impulsion, en fait, comme un saut en longueur, saut en hauteur, sauf que là, en confinement, on ne peut pas se déplacer à droite et à gauche, on n'a pas la surface pour. Donc on fait le travail sur place comme on fait, on peut faire un footing aussi sur place sans problème. Donc on y va, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On a fait la jambe droite, maintenant on fait la jambe gauche. Donc je me mets légèrement de côté. Donc là c'est pareil, travail de coordination, petite impulsion, un petit peu de cardio qui commence à venir. Et puis cette proprioception aussi au niveau de la jambe d'appui. Donc on est en position opposée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est... à peu près chaud, tranquillement pour le circuit. Donc on va commencer le circuit sur ces exercices-là, plus d'autres exercices qu'on a déjà fait avant. Alors pour les nouveaux, j'explique à chaque fois, même si vous revenez ici pour la 30e fois, bah écoutez, à la 31e fois, j'expliquerai encore les exercices. Ça permet aux personnes qui arrivent et qui sont nouvelles de faire les exercices. On va faire tout le déroulé du circuit avec les exos que je vous montrerai. Il y en a un petit dernier que je ne vous ai pas montré. Mais que vous connaissez sûrement, c'est le travail latéral, demi-flexion. On revient en place et on part de l'autre côté, demi-squat à nouveau, et on repart. Ça donne ça. Là, il y a un déplacement qui est à peu près de 80 cm, allez, 50 à 60, 80 cm, pour ensuite venir mourir ici, sur demi-squat, toujours bien stable. Là, il n'y a rien qui peut me perturber dans la position d'arrivée. Et ensuite, je coordonne le demi-tour à chaque fois, à droite, à gauche, à droite. Et à chaque fois, je réunis les deux jambes pour avoir une meilleure stabilité, quoi qu'il arrive. Alors, on va démarrer le circuit. Je vous conseille de prendre déjà une petite gorgée dès maintenant, parce que ça va chauffer un petit peu. Deuxième conseil. Tout le monde est en capacité de faire toutes nos séances. Il faut juste que vous adaptiez le rythme et l'intensité des exercices que vous faites. Donc il y a toujours une variante qu'on montre régulièrement. Donc c'est à vous de l'adapter en fonction de vos capacités. Donc tout le monde, puisqu'il y a des personnes, des seniors, beaucoup de seniors qui font ces séances-là, est en capacité de le faire. Cherchez pas à aller sur la performance. Concentrez-vous d'abord sur la bonne gestuelle. Et ensuite, vous pourrez peut-être monter un petit peu en puissance. Voilà, je vous laisse
30 secondes, 1 minute, 45 secondes avant de démarrer. Buvez des gorgées et on fait le déroulé du circuit sans le chrono sur le premier tour. Alors, je vais voir si c'est en place au niveau du son. On va pas mettre de musique pour l'instant, on la mettra après, puisqu'il y aura encore peut-être et sûrement quelques explications. On va démarrer sur l'exercice qu'on vient de voir ici. Voilà, soit vous démarrez comme ça, là, 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 toujours stabilité, coordination, opposition des gestes et des mouvements, comme la course. Quand on fait de la course, on est toujours en opposition jambes et bras. Et là, c'est pareil, c'est de l'elliptique. C'est du judo aussi, hein, donc ça vient, ce sont des mouvements qui viennent du judo. Vous les verrez nulle part ailleurs. Donc c'est uniquement sur ces séances qu'on le fait. Parce qu'ils sont très très intéressants sur le plan retour sur investissement. Là, on a la proprioception, le renforcement, la coordination, un petit peu le cardio. Donc on va démarrer sur cet exo. Ici, là, là, là. C'est parti, 3, 2, 1, allez. Soit on le fait statique comme ça, et à 15 secondes, on le fera de façon sautée. Là, là, là. On améliore à chaque fois la gestuelle pour que ça soit un petit peu élégant. Et là, on y va en sauter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, toujours stabilité à l'arrivée du mouvement. Sans cambrer, évidemment, en évitant de cambrer trop. Et puis, on passe à la deuxième jambe. Donc on est toujours en opposition au départ, ici, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on engage bien le bassin, et là on y va en sauté. Et 10, ok, on relâche, on passe au pédalo, n'oubliez pas un petit objet. Vous prenez ce que vous avez sous la main, une télécommande, un petit, pas un crayon, mais voilà, une petite boîte. Et vous le prenez dans la main pour cet exercice ici, là, de pédalo. Attention, ça va être à vous. Vous avez pris votre petit objet. Attention, 3, 2, 1, c'est à vous. On remonte bien le buste. Et on va chercher le plus haut possible avec l'objet, c'est-à-dire sous les mollets et sous les chevilles. Et on y va. En plus, c'est sympa. Et on essaye à chaque fois d'améliorer, de ne pas tomber l'objet. C'est comme la fondue savoyarde. Top, on relâche. On va passer maintenant au travail du haut. C'est-à-dire des épaules, toujours en proprioception, coordination. Et là, on va passer sur le fameux coude-main, ici, où on se positionne les avant-bras au sol, avec un appui sur les avant-bras et un appui sur les mains, les unes après les autres, avec toujours ce fameux gainage, puisqu'on rentabilise au maximum nos exercices. Attention, ça va être à nous, 3, 2, 1, c'est parti, on gagne bien les fessiers, messieurs, dames, pour bien garder la posture du bassin aligné. On est sur un mix de renforcement, de gainage dynamique, avec les abdos qui travaillent aussi. Et ça va être 3, 2, 1, on relâche. Ok, donc on a fait le premier bloc. We made the first block and now we start for the second block with three exercises. First, seonage for judokas. On démarre par un mouvement issu du judo. On va pas faire du judo ici, mais c'est issu du judo avec ce demi-tour à chaque fois. Et là, on va bien réfléchir à l'arrivée pour avoir une belle posture ici. À l'arrivée, vous pouvez être bras tendu ou ici bras fléchi. Le bras fléchi permet de mieux tourner, hein, c'est plus facile. Comme les patineurs qui tournent les bras au corps. Et donc, voilà, vous faites comme vous voulez, à votre façon. Attention, on va démarrer. Après, il y aura natation et puis le fameux Superman. Rappelez-vous,
Le Superman, c'était ça. Ici, là. Là, c'est un demi-Superman. Voire pas Superman du tout en ce qui me concerne. Donc, on démarre par le demi-tour, demi-squat. Demi-tour, demi-squat, gauche-droite. Comme ça. Allez, 3, 2, 1, c'est à vous. Allez, on y va. Coordination, renforcement, agilité, facilité, confiance et on accélère. Allez, on rassemble les appuis et on tourne à droite et on tourne à gauche. Pam, pam, pam. Et toujours la belle posture à l'arrivée. 3, 2, 1. Et on reste là. Ok. Très important de bien se stabiliser à l'arrivée. Vous voyez, je fais un petit pas. Ça veut dire que j'étais pas complètement stable à l'arrivée. Ça commence à monter. Donc on va passer à la natation sans mes lunettes et mon bonnet. Bon, on va faire ça. Alors natation, dans un premier temps, il y aura deux exercices de natation, un autre à la fin. Le premier, ça va être tout simplement ce mouvement-là, sans toucher le sol avec les jambes, sans toucher le sol avec les mains. Allez, on y va, on se met au sol. Toujours pareil, on évite de cambrer. Ici, et là, on va faire ce mouvement, juste avec les jambes relevées. Pas forcément besoin de faire des battements de jambes, on le fera après. Et là, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Ceux qui touchent le sol auront un gage. C'est comme la fondue savoyarde. Vous pouvez effleurer le sol, mais sans le toucher. Pointe des pieds en extension. 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, ça fait du bien. Moi qui ne suis pas un très bon nageur, bah maintenant je vais progresser à la natation en confinement sans piscine. On passe maintenant au Superman, au demi-Superman, voire un quart de Superman pour moi. Ici, donc deux possibilités. Soit vous laissez un genou au sol. Voilà, là c'est beaucoup plus facile avec le genou au sol. Soit vous mettez sur la pointe des pieds et sur une main. Vous avez le choix. Ok ? Attention, ça va être à vous et à chaque fois, on va changer de côté, à droite, à gauche. 3, 2, 1, c'est parti. Et à chaque fois, on stabilise toujours. Retour sur investissement, très important sur chaque exercice. Là, on travaille les fessiers, la proprioception des épaules, l'équilibre de tout le corps sur une position qui est complètement inhabituelle. Et aussi du renforcement musculaire pour des articulations qui n'ont pas l'habitude de travailler forcément les petits muscles fixateurs des articulations. Et on relâche. Ça, c'était le quart de Superman. On va essayer de faire un demi sur le passage suivant. Alors maintenant, on va passer sur l'exercice une jambe avec les mains dans le dos, ici, la jambe à l'horizontale. Et là, on va faire des demi-flexions sur une jambe. Si vous n'y arrivez pas, si c'est trop compliqué, vous allez vous mettre en position statique basse. Ici, en corrigeant chaque fois votre position sans trop cambrer. Vous pouvez monter la jambe, mais ce n'est pas forcément avec une cambrure. Vous voyez qu'il y a un gros travail de fessier ici. Là. Pour la position. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, il y a un beau travail de la jambe d'appui avec proprioception, équilibre, hein, évidemment. Renforcement musculaire, gainage du bassin. Gainage des fessiers qui bossent comme des malades, là. Pour maintenir la jambe en l'air. Et on relâche, on passe à l'autre jambe ici. On règle la position dans un premier temps. Toujours pareil, c'est un exercice que j'ai développé au sein des équipes de France à l'époque. Avec une surface de tapis molle qui était encore plus difficile pour un mouvement qui s'appelle Uchimata, qui est un mouvement très pratiqué en judo. Allez, on y va, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on essaye de descendre bien bas
Et à chaque fois, on règle la position de la cheville. Les orteils sont agrippés au sol. Les miens rentrent dans le parquet. On est stable, quoi qu'il arrive, y compris avec un partenaire sur le dos. Et on relâche. Ok, vous voyez que ça bosse au niveau des petits fessiers. Et donc c'est très intéressant aussi sur cette partie-là. Alors on va passer ensuite au starfish. Ici, avec toujours un appui au sol, la paume des mains est au sol. On n'est pas comme ça, on est comme ça. 45 degrés toujours. Et on va aller chercher le plus loin possible avec le bras. On ne se contente pas de toucher le tibia. On va chercher si possible la cheville ou ici sous la semelle si vous êtes assez souple. Ce qui n'est pas mon cas. Alors, allez, on se met jambes en croix, bras en croix, là, là, et on va aller chercher le dessous de la semelle, ici, ou au niveau du talon, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Voyez que j'ai mis une serviette, mais ça me gêne. Donc des fois, il vaut mieux rien avoir que s'embêter avec des trucs qui servent à rien. Donc là, on a besoin de rien du tout. 3, 2, 1, et on relâche. Et on se relève sans les mains, ici avec une jambe fléchie, et l'autre jambe qui vient prendre le relais. Rappelez-vous, on n'a pas besoin des mains pour se relever. Maintenant, on va passer sur le travail du haut. Je reprends ma serviette pour mes genoux. Deux possibilités, toujours, two possibilities. Alors, soit le push-ups ici, avec le stretching ici. Push-ups, stretching, sur les genoux. Soit un push-ups classique, ici, et un stretching, jambes tendues, ici. Ok? Two possibilities, vous avez deux possibilités pour ce travail-là. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Là, on contrôle bien la descente, c'est ce qui est intéressant dans l'exercice. C'est la descente qui est plus intéressante même que la montée. Allez, on continue. On contrôle bien la descente, on fait des mouvements lents, tout en contrôle. Tout en camon, tout en contrôle. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, donc là, ça fait travailler notamment sur la partie stretching quand on vient sur l'arrière. Le faisceau antérieur des deltoïdes. Le deltoïde, c'est ce qui coiffe l'épaule. La coiffe des rotateurs, professeur Versier. Je parle sous votre contrôle. Ok, donc on va passer, on a fait le troisième bloc. On va passer au quatrième bloc. On va travailler un exercice dynamique de coordination et un petit peu cardio. Donc là, vous allez pouvoir vous adonner à cœur joie. Il n'y a pas de... C'est pas un travail de force. C'est un travail de coordination, d'agilité, de vitesse. Voilà, c'est ce mouvement-là, ici, échelle, un pied remplace l'autre, en arrière et en avant, et on se balade sur le côté, tout simplement, on fait l'essuie-glace, ici. Voilà, pour ceux qui connaissent l'échelle de rythme, pareil, on n'a pas de matériel, on n'a rien, on peut travailler sans ce matériel. J'ai pas l'échelle de rythme, enfin je l'ai, mais je ne la mets pas, donc il n'y a pas besoin. Donc les gens qui se creusent le cerveau pour des choses qui sont inutiles, et voilà, sachez qu'on peut toujours trouver des solutions. Un problème, une solution. Agilité, adaptabilité, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, notamment dans le monde de l'entreprise, n'est-ce pas? Je fais suite à l'émission d'hier soir. Allez, on est parti. Échelle, après il y aura natation, brasse et crawl avec les jambes. Et puis, le fameux rétablissement assis face au sol, assis face au sol, à droite et à gauche. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est à l'aise, on essaie d'être bien droit. Augmenter l'amplitude entre l'arrière et l'avant, la distance, une fois qu'on est à l'aise. Et on travaille bien avec les bras, toujours en opposition, ici. Allez, on accélère un petit peu. C'est tout le corps qui participe, le bassin, le haut du corps, les jambes évidemment. On roule les mécaniques. 3, 2, 1, et on relâche. Super, ensuite on va passer à la natation. Tout à l'heure j'irai chercher mes lunettes et mon bonnet si jamais, hein, pour être plus
Les normes de l'hygiène des piscines qui n'ont pas ouvert encore, mais qui n'ouvriront pas de sitôt apparemment. Allez, natation, donc bras de brasse et jambes de crawl. Ici, bras de brasse, jambes de crawl avec les pointes des pieds, ici en extension. Là, 3, 2, 1, c'est à vous, c'est parti. Allez, on nage. Il reste 2 km de natation. On ne touche pas le sol. Celui qui tombe sur un morceau de fromage a un gage, comme la fondue savoyarde. Allez, évitez de cambrer au niveau de la tête. On regarde légèrement devant le sol. 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, on tire un petit peu le dos. On se repositionne maintenant sur la fameuse posture où on est face au sol. On part avec la jambe opposée qui passe à l'intérieur et qui vient s'asseoir ici, sur le côté. Tout simplement. Là. On essaie de passer par le corps tendu à chaque fois. Là. 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 On se réorganise sur chaque mouvement. Ça va être à vous. 3, 2, 1. C'est parti. Vous voyez que les abdos participent, les bras participent, les jambes participent aussi, la coordination participe. 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, quel bonheur, quel bonheur. Allez, on se régale, on prend une petite pause boisson. Petit coup de bière. Attention, ça mousse. Et puis, on récupère un petit peu. Ensuite, je vous mettrai Bussy dans les pattes. Sur un exercice de 20 secondes à chaque fois, et on va enchaîner à votre rythme. Donc, en fonction de vos capacités. Petite pause, je vous laisse méditer un petit peu. Préparez-vous bien mentalement. Pour le circuit, il y en aura deux à minima. Et on enchaîne après. Une minute de récupération. Alors je salue toutes les participantes et tous les participants. Alors là je vois Hélène, Selim, Anthony, Mashpat from Mongolia, welcome Mongolia. Eric, une grande figure du judo et du jiu-jitsu. Bienvenue Eric, c'est super. Et donc, voilà, je suis ravi que vous soyez tous là. Le professeur Versier qui est toujours là sur le contrôle des exercices. Ce sont des séances qui sont faites sous le contrôle du corps médical. C'est pas uniquement des séances de, voilà, ici de nulle part. On est toujours en recherche d'amélioration. Ohayou gozaimasu, to Zizi from Japan. Merci beaucoup d'être venu. Welcome to the workout 3S. Social Solidarity, Respect Commitment. On va démarrer, attention, on va démarrer sur l'elliptique, mouvement de judo que vous verrez nulle part ailleurs sur des exercices de préparation physique de ce type-là. J'en profite pour boire encore un petit peu, d'aérer un petit peu le studio parce que ça chauffe. Alors, il y a deux projecteurs, hein, vous ne le voyez pas, mais ça chauffe aussi un petit peu et puis aussi les exercices. Voilà, je vais faire mes petits réglages du timer. Ok. Je vérifie si le son est bon. Et après, on va pouvoir démarrer. 3. Ça marche. Dans 10 secondes. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? 3, ça va fumer. 2, 1, go. Là. Three, two, one, stop. On passe à la deuxième jambe.
Pensez à respirer parce que ça monte vite. Vous n'êtes pas obligé de le faire à mon rythme, hein. Faut le faire tranquillement. Vous avez de la récup, 20 secondes, donc ça devrait aller. Normalement, et on va raccourcir pour le troisième cercle. 3, allez. 2, 1, go. Allez, go. Je suis à gauche, je suis pas à l'aise à gauche. Stop. Et on est stable à l'arrivée. Super important. Le pédalo Nico. Le pédalo de Nicolas. Allez. On se met en position ici, sur le bas du dos. On remonte le buste au maximum. Et on se met dans cette position. One. Go. Allez, on va chercher le plus haut possible. Si je tombe l'objet, je ferai une pénalité. J'aurai une pénalité à la fin. Allez. Si vous êtes à l'aise d'accélérer, là sur cet exercice, vous pouvez. 2, 1, stop. Ok. On passe au troisième exercice. Faut un exercice de face bloc. Là, ici, vous êtes sur les avant-bras et sur les mains. Là. Sinon, vous êtes sur les genoux. Et vous faites la même chose. 1, go. Allez. On gagne bien le bassin. On serre les fesses. C'est le plus important de serrer les fesses. Ça bosse les abdos. 3, 2, 1, stop. Ouh. Ah ben, je suis content. Je vois que ça tient ma petite côte. On va passer au demi-tour ici. Là. Demi-squat. Là. Regroupement ici. Demi-squat ici. Là. 3, 2, 1, go. Là. Je me déplace vers l'avant. Et je descends bien sur les jambes. Et j'accélère. Et je descends. Demi-tour. Demi-tour. Demi-tour, allez, on y va. 3, 2, 1, stop. Ok, on va passer à l'exercice suivant, le fameux Superman. Soit sur les genoux, ici, soit sur les pieds. Prêt? 3, 2, 1, go. Allez. On marque la position. Ok, on passe au starfish. Three, two, one, go.
C'est parti, c'est à vous. Vert, ça bosse. Rouge, repos. Allez, avec la musique. 3, 2, 1, stop. Ok. Starfish, maintenant on va passer au push-up stretch. Soit sur les jambes, ici. Soit sur les pieds, ici. 3, 2, 1, go. Coordination. J'aime bien que tout soit carré. Avec les bras. Avant, arrière, un pied chasse l'autre. Ici. Allez, c'est parti. Allez, encore. On accélère. 3, 2, 1, stop. Ok, natation. Brasse. Ici, crawl. Bras de brasse, jambes de crawl. Chercher devant. Petite récup. N'oubliez pas la petite gorgée. En 2-3 gorgées pendant le repos. Important pour la suite. Le récupère restera un tour. Et puis le stretching derrière. Qui sera déjà pas mal et vous sera l'heure pour aller déjeuner. J'en profite pour saluer Pascal, Marie, Odile, Sylvie, notre présidente de l'association APES Activité Physique et Santé, qui œuvre beaucoup pour la santé de tous les publics, y compris les publics éloignés, en particulier avec le conseil départemental des Yvelines, où nous allons avec le Chizen Sport Truck dans les quartiers, avec APES, association. Francis, Sandrine qui fait, alors Sandrine infirmière évidemment, que je connais un petit peu, et qui fait la séance avec nous, bravo Sandrine, il y a un début à tout. Takuji Sato, Oyo gozaimasu Takuji, welcome. Konnichiwa, bienvenue au Japon. Là, je vais rehausser un petit peu. Voilà, on va partir sur le deuxième tour.
avec une petite récupération. Encore 2 minutes. Et on va redémarrer sur le même exercice. On va réduire un petit peu le temps de travail. Et ensuite, on va enchaîner. Là, vous allez avoir le même circuit. Maintenant, vous avez vos habitudes. Vous connaissez les exercices. Vous allez faire 15 secondes de travail. 15 secondes pour changer d'exercice. Moi, je commencerai un petit peu avant pour vous montrer les exercices si jamais vous êtes pas, vous n'avez pas compris lequel était le suivant. Attention, ça va bientôt démarrer. Dans 1 minute. Moi, je vais boire une nouvelle gorgée. Alors, on est prêt? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? On va démarrer sur ce mouvement ici. Prêt? Dans 10 secondes, vous êtes reparti pour le dernier tour du circuit dans le studio 3S. Séance solidaire, gratuite pour tous. Allez! Passer à la jambe opposée. C'est parti. Soit sur les genoux, soit sur les bras. 2, 1, go. Three, two, one, go.
Le dernier, last one, last two. Ici. 3, 2, 1, go. Là. Prêt. Ça dure 10 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, go. Ok, vous multipliez par 6. Multipliez cette valeur par 6 et vous obtenez vos pulsations cardiaques un petit peu après l'effort. Si vous voulez bien, de pulsation cardiaque après l'effort, sachant que ça a duré 10 secondes, vous multipliez le chiffre par 6 et vous avez votre rythme cardiaque un petit peu après l'effort, pas immédiatement après, mais après l'effort, il faut compter entre 5 et 10 pulsations de plus, normalement immédiatement derrière. Alors, quelles sont vos valeurs? Nos infirmières sont à 108, bien, c'est excellent. Olivier, 120. Donc Olivier, je pense que tu étais à 130 à peu près. Sachant que c'est pas l'objectif. Hein. L'objectif n'est pas la performance au niveau du rythme cardiaque. Vous n'êtes pas obligé de monter à vos 220 moins l'âge, comme la théorie l'indique. Mais comme ça me va très bien. Chacun son rythme. Plus on va lentement, plus on est sur le renforcement musculaire. Plus on va rapidement. Et plus on est sur le cardio avec des mouvements un peu plus balistiques. C'est-à-dire des mouvements qui sont un peu plus lancés, donc un peu moins renfaux de muscles profonds. Voilà,
On va passer aux étirements parce que l'heure tourne et je ne voudrais pas être à nouveau en retard comme les fois, nombreuses fois précédentes. Il y a des séances qui ont duré 1h45. Donc je ne voyais pas l'heure tourner. On va se mettre en position sur le même protocole de stretching que tout à l'heure, au sol. Si vous avez une chaise, vous pouvez très bien le faire avec la chaise, mais on le fait plutôt le vendredi, ici. Donc on va utiliser le sol comme tout à l'heure, sur la serviette des Jeux Olympiques de 2012, où je mets un genou à terre. Et on va démarrer sur des postures de 45 secondes cette fois-ci. Ce qui est le minimum syndical, comme vous l'aurez compris, pour des étirements, où il faut normalement aller beaucoup plus loin en termes de timing sur les postures. Mais je ne voudrais pas vous mettre en retard pour le déjeuner ou pour le travail. Allez, on y va. J'enlève mes lunettes. On se met toujours en fente avant. Top, c'est parti. Et une fois qu'on est bien à l'aise dans cette position, on respire bien, on souffle bien. Et en soufflant, on avance encore un petit peu plus. Sans ouvrir le bassin, au contraire, en fermant le bassin, perpendiculaire à la jambe, et on vient ici sur le côté, déverrouillé à la fin. On inspire, on souffle à nouveau, et on reste. On va maintenant changer de position, on se met sur l'arrière et on reste dans cette position en descendant un petit peu plus que ce qu'on a fait au début de la séance. On était un peu verrouillé. Au début c'est du déverrouillage et puis à la fin de la séance c'est vraiment du stretching où là on peut insister sur les muscles sans problème, sauf si vous avez des pathologies. Et là n'insistez pas sur des postures qui vous font mal, c'est-à-dire avec une mauvaise douleur. On peut avoir mal mais ça peut être de la bonne douleur. N'hésitez pas à fermer les yeux, vous concentrez, inspirez, soufflez, on descend un petit peu plus, allez. On relâche, on s'essuie et on passe sur le côté. Voilà, toujours sur la même posture, on ne s'assoit pas sur la jambe, on est vraiment ici au milieu. Tac, là. Avec des bons appuis. On inspire, on souffle, on descend encore un peu plus. On se tapit vers le sol. Là, on se fait tout petit, le plus bas possible. On inspire à nouveau et on souffle. On passe ensuite par l'épaule ici. On vient poser la main et on se met en opposition. On inspire, on se redresse et on souffle doucement en se laissant mourir vers le sol, au propre et au figuré. Vous pouvez poser la tête au sol si vous voulez. Vous avez le droit après l'effort. C'est le réconfort. On inspire à nouveau et on souffle. On évite de s'endormir. Allez, on se redresse, on passe de l'autre côté. Grosse inspiration maximale. Et on souffle en descendant, en regardant sur le bras fléchi ici. Là. On expire à nouveau et on souffle à nouveau. On écarte les genoux. Et on pose la tête éventuellement. On ferme les yeux, on sent l'épaule qui est bien en place, on inspire à nouveau, maximum, et on souffle en relâchant vers le bas, on pose la tête, on ferme les yeux, et là on est bien, ok, on revient, on repart sur les avant-bras, là.
On pose les deux appuis au sol, les deux appuis mains au sol, les doigts orientés vers l'arrière, comme les gorilles. On expire fort et on souffle à nouveau en reculant légèrement. On expire à nouveau et on souffle en reculant légèrement et en laissant aller la tête vers le bas et on garde la position. Vous pouvez enrouler un petit peu le dos pour gagner du temps et là on va passer maintenant sur l'autre côté de l'étoile, ici, côté opposé. Le bassin entre les deux genoux et la serviette qui est indispensable. Ça coule. Je vais inonder le studio. Et là, pareil, on essaye de descendre au sol vers le bas en expirant préalablement et en soufflant vers le sol comme si on allait passer sous les barbelés dans la prairie pour pas se faire rattraper par le taureau qui nous court après. Donc on se tapit au sol pour passer sous les barbelés. Sous les barbelés. On relâche. On va se mettre dans l'axe maintenant, jambes tendues comme tout à l'heure à l'opposé, avec le bassin ici perpendiculaire, les mains au-dessus du genou, on descend de plat. On expire fort et on souffle ensuite en descendant vers le bas. Et vous voyez que déjà on a bien récupéré grâce à la respiration profonde et aux étirements qui vont ensemble. Allez, on insiste, on expire à nouveau et on souffle, on descend encore un petit peu plus. Allez, on reste en bas, on grappille, on grappille, on grappille. Ok, on expire à nouveau et on se redresse, on se laisse mourir en fente avant vers l'avant. Voilà, ici toujours sans ouvrir le bassin, en fermant le bassin, au contraire ici, là, perpendiculaire si possible. Voilà, sinon vous n'allez pas plus loin. Et là on rétroverse le bassin, on décambre comme on dit là, dans l'Aveyron, on décambre le dos, du verbe décambrer. Et là on vient en opposition. On expire, on souffle, on déverrouille maximum la posture. Voilà, on regarde si possible derrière. On expire à nouveau, on se redresse. Et on souffle, on déverrouille à nouveau. Et on relâche. On se met à nouveau à genoux. Et là, on va faire des petites rotations ici de la tête. En inspirant profondément et en soufflant profondément, soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. À la fin, je préfère les yeux fermés en fin de séance, parce que ça permet de se concentrer sur l'essentiel et mieux récupérer. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, latéralement, en relâchant surtout les épaules vers le bas toujours. Même quand vous montez les bras, descendez les épaules. On relâche à nouveau. Maintenant, on va faire le petit stretching de fin de séance qu'on a l'habitude. Là, doigts croisés. On ouvre au maximum. On salue les nuages. Il n'y a pas le soleil, mais heureusement, il a plu. Avec la sécheresse, c'était bienvenu. Et on ouvre ici en se redressant. Le bassin l'avant, rétroversant le bassin. En inspirant au maximum, sans s'évanouir. Et là, on se grandit le bassin en avant. Et on va chercher en arrière, tout en décambrant le dos. J'arrive plus à le dire. Allez, on grandit encore. Et on relâche. On repositionne le bassin ici. On va se mettre ensuite sur le dos pour un dernier exercice. Là. Deux jambes tendues, on va fléchir une jambe, on met le pied ici dans le creux poplité, dans le creux du genou, on va chercher le genou avec le bras opposé, on va tendre le bras ici. Et regardez si possible du côté du bras tendu, qui n'est pas fermé, mais au contraire qui est ouvert à 45 degrés, toujours c'est la même valeur. Je suis monsieur 45 degrés.
À l'ombre, bien sûr. On inspire à nouveau et on souffle en allant chercher un peu plus loin. Et on passe maintenant de l'autre côté, ici, à l'opposé. On va déverrouiller ce bassin à nouveau. Là, on inspire et on souffle en allant encore un peu plus loin au niveau du genou qui est fléchi et du bras qui est tendu. Ne me regardez pas, je ne suis pas un exemple de souplesse, je le rappelle. Donc faites à votre convenance. On inspire à nouveau et on souffle, on va chercher encore plus loin en déverrouillage. Regardez du côté du bras tendu. Et on relâche à nouveau. On remet le dos à plat en fléchissant les deux genoux ici. Et là, vous allez vous relever sans les mains, sans à-coups. Donc vous allez relever les deux jambes ici. Vous allez vous relever au niveau du buste. Là, vous voyez, là, il n'y a pas d'à-coups. Et je vais fléchir une des deux jambes. Et là, je me retrouve à genoux face à vous sans avoir positionné ou appuyé ou posé les mains. Donc ça, c'est important au niveau de la disponibilité, de l'agilité. De tout un chacun. Donc soyez capable de vous relever si jamais vous avez les bras dans le dos, par exemple vous êtes attaché dans un placard chez vous, quelqu'un vous a ligoté, donc vous êtes capable de vous relever, lui courir après éventuellement ou aller plus vite que celui qui vous court après. Merci, la séance est terminée, merci de votre participation et surtout félicitations, j'espère vous avoir apporté un peu de bien-être rupture au niveau de la routine et de ce confinement qui se prolonge, mais voilà, avec ces routines-là, on arrive à mieux respirer chez soi et en tout cas continuer à rester confiné. C'est pas terminé. Très bon mercredi, moi je vous retrouve vendredi à 11h pour la séance à dominante escalier, donc avec une marche d'escalier, un step ou au sol, à votre convenance. Très bon mercredi et à vendredi.